À l'applaudimètre, il n'y a pas photo. Enfin, c'est une façon de parler, car pour les photographes professionnels, comme pour les amateurs, les choix semblent être déjà faits. En tout cas, ils correspondent à ceux du jury. Marion Cotillard reçoit le Swan d'Or de la meilleure actrice pour son incarnation d'Edith Piaf dans La Môme. Chaque fois que je suis venue ici, on a chanté des nuits entières. Et c'est une jolie coïncidence parce que voilà, la femme que j'interprète chantait aussi des nuits entières. Guillaume Canet est lui distingué pour sa prestation dans Ensemble, c'est tout, le film de Claude Berry. Il est l'acteur romantique de l'année. Ça me fait plaisir, oui, ça me surprend, ouais, mais je suis assez romantique dans la vie, donc ça ne me dérange pas. J'accepte le prix avec plaisir. Dans la compétition aussi, 8 films pour le Grand Prix 2007 du Festival de Cabourg, des films venus pour beaucoup d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Après une longue délibération, le choix du jury s'est finalement porté sur Franz et Paulina du russe Mikhaïl Segal. C'est une histoire d'amour qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui paraît totalement improbable et qui devient une espèce de, je sais pas, docteur Jivago, des films qu'on ne fait plus. En plus, c'est tourné d'une manière brillantissime par un jeune metteur en scène qui a assimilé toutes les techniques. Donc ce n'est pas ce n'est ni pompeux, ni on. C'est un film rapide, très intelligent, extrêmement bien joué. L'édition 2007 du Festival de Cabourg aura aussi été marquée par le mauvais temps, mais c'est bien connu, festival pluvieux, festival joyeux.